Voici l'humeur de Alison Wheeler, mesdames. Bonjour Yasmina, je suis contente de vous voir parce que je vous admire énormément, j'adore vos pièces. Mais là n'est pas le sujet. Non, je vous vois venir, Nagui, je ne vais pas chanter cette semaine. Dommage, ah, c'était bien. Je sais, mais j'ai décidé. C'était top la semaine dernière. Ouais. Merci, c'était mais j'ai top. Décidé de mettre ma carrière entre parenthèses. Ouais, 4 jours. Faites vos adieux. Ah d'accord, voilà. Non, j'ai encore retroussé mes manches et j'ai suivi l'actu de cette semaine de près. Une actualité apparemment placée sous le signe de l'éducation sexuelle, apparemment. Ah et bon figurez-vous, oui Nagui, on n'a pas vu la même actu. Bah, je vais vous expliquer. Vendredi dernier, je mangeais des lasagnes quand j'ai appris qu'une classe de 3e avait fabriqué un clitoris en 3D. Oui, il faut dire que les lasagnes et le vagin ont ceci en commun, qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Oh non, si, oh non. Enfin, à moins d'avoir un cuisinier professionnel à domicile, mais perso, l'idée de Joël Robuchon en train de monter sa béchamel, moi, ça me... Oh non, je vous dis, parce que... Disons... Quoi? On est à la radio. Ah, mais moi aussi, ça me... c'est difficile pour tout le monde, parce que disons que pour toute une génération d'hommes, le clitoris, c'est un peu comme le sens moral de Patrick Balkany. Paraîtrait qu'il existe, mais personne n'a jamais trouvé. Et maintenant, ça va changer pour les jeunes. Albert, vous pourrez bientôt même demander des conseils sexuels à votre petit-fils. Fils ? J'ai dit fils. Non. Nagui, si vous n'aimez pas les enfants, ne dégoûtez pas les autres. Mon petit-fils ? Oui. Encore de l'éducation sexuelle, puisque cette semaine, le vice-président du Modem a été arrêté pour s'être masturbé dans un magasin de bricolage. Qu'est-ce que ça nous apprend, les enfants ? Bon, bah que le Modem existe encore, déjà. Et puis que le sexe est comme les pâtes, ça paraît simple, mais ça, c'est code. S'intéresser à comment sont faites les lasagnes de madame, oui. Se tripoter la nouille en public, non. Non, Nagui. Et puis cette semaine, le site porno Brazzers a été piraté, ce qui veut dire que les préférences sexuelles de 800 000 personnes peuvent être rendues publiques. Je vois que ça blémit autour de la table. Non, non, il y a des... Alors, je vais te dire la vérité, il y a des regards de plein de gens qui ne connaissaient pas ce site. Ouais, bah, en fait, existe. Tu fais de la promotion maintenant. Ça me fait plaisir, comme ça sera populaire. Alors, les infos peuvent être rendues publiques. Ainsi, nous allons tous pouvoir découvrir que Richard Lornac a récemment fait une recherche pornographique avec les mots-clés « femme » et « demi-queue ». Autre info... C'était pour piano. Jérôme Cahuzac à la barre. N'ayez pas l'esprit mal tourné, je parle du procès. Il a reconnu ses comptes en Suisse. Bravo à lui, c'est un bon début, on peut l'applaudir. Non, franchement, c'est bien. Mais on va être honnête deux secondes, on est d'accord que ce type, il y a bien que son anus qu'il n'a pas blanchi. Non, je suis pas d'accord. Et surtout, je ne suis pas contente. Non, je suis excédée. Cette fois-ci, ce serait la faute de Rocker. C'est pas un bon message pour les jeunes. Non, il faut leur inculquer la notion de consentement, Jérôme. C'est pas parce que t'es acculé que tu dois acculer les autres. Mais heureusement, pour finir, Mère Teresa a été canonisée par le pape. Ça prouve bien que pour le sexe, faut pas se presser. Voilà, on peut rester pucelle toute sa vie et avoir la classe. Et ça, c'est important de le dire aux jeunes. Ils sont trop pressés, je vous jure, Leïla. On se rend pas compte, mais les lycéens d'aujourd'hui, c'est comme le casier Nicolas Sarkozy. Ça fait longtemps qu'ils sont plus vierges. Bon, écoutez, 11h30, je crois que j'ai assez parlé de sexe. Je suis désolée. Non mais une chronique, si c'est trop mou, ça marche pas non plus. Nagui, vous savez ce que c'est. France Inter. Nagui, la bande originale.